Salut, moi c'est Maël. Salut, moi c'est Shania. Salut, moi c'est Mathéo. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre projet Amitié Nature et VTT. Il consiste à se retrouver afin de faire du vélo. Et il était lors des grandes vacances, il a duré 3 jours, le 5, le 6 et le 7 juillet. Nous avons fait ce projet pour nous retrouver entre copains et pour nous déconnecter des écrans. Le jour avant la sortie, Philippe, notre voisin, nous a appris à démonter une roue, à changer la chambre à air, à redresser une chaîne. Tous les jours, en fait, on s'est attribué des rôles, à vrai dire. On s'est attribué des binômes et en fait, à chaque fois, on changeait afin de pouvoir faire passer tout le monde, que tout le monde puisse cuisiner à son tour. Nous avons fait le canoë, on a fait une petite compète avec les amis et l'animateur, bien sûr. Nous avons fait une veillée astronomique où une personne est venue pour nous apprendre à observer les étoiles, les constellations. Nous avons observé le ciel tout au long de la soirée, puis nous sommes allés nous coucher avec des péripéties, les grenouilles. Des fois, on aimerait bien faire pause. Moi, j'ai bien aimé cette activité puisque je l'avais jamais faite auparavant. Et puis, ça nous a un peu rapprochés chacun des autres parce que j'ai quand même assez peur. Petite anecdote, à un moment donné, avec mon animatrice Guylaine, on s'est perdu. Il y a eu un petit accro sur la tyrolienne de 100 mètres. Je suis restée coincée. On a droit à des douches froides. Bon, c'était une bonne expérience puisqu'à la maison, c'est toujours des douches chaudes. C'est vrai que c'est un peu froid. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on y met moins de temps. Nous avons fait un ramassage de déchets au mois de septembre puisque nous n'avons pas pu le faire à Jasper. Nous avons fait ce ramassage de déchets à Langeseine où nous avons récolté 3 sacs de déchets. On attend notre coéquipier qui est toujours en retard. Allez. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et je vous dis merci beaucoup pour nous avoir écoutés et prêt pour une prochaine expérience!